Once you practice it, protect your heart. Preface. It is patient, full of kindness, does not suspect evil, and must be practiced with great patience. Protect your heart, be careful with your choices. Pray and make the right choice. Love can be complicated, but it's worth it. Love living to enjoy you with wisdom and happiness of heart. Love can put you in higher states. L'amour, l'amour peut te mettre dans tout tes états. J'ai trop envie de lui parler mais elle est magnifique, j'ose pas. Tu peux nous mettre en contact s'il te plaît? Ok, d'accord mon frère. Je vais la saluer déjà. Je compte sur toi mon gars. Ma belle Levinette, ça fait super longtemps. Oh Alex, c'est toi? Tu as changé. Positivement j'espère. Oui, il me semble que tu as perdu du poids. Oui, 17 kilos, le poids d'un enfant 5 ans. On dirait que j'ai accouché. Fier de toi. Tu as bonne mine et tu es toujours aussi drôle. Merci. J'aimerais bien qu'on se revoie si tu veux. Avec plaisir. Je te le mets dans ton téléphone. 06 28 57 46 57. Merci, je le garde précieusement. Ah oui. J'ai un ami qui a vraiment flashé sur toi ce soir. Il aimerait en savoir plus sur toi. J'en fais quoi? Celui avec qui tu parlais? C'est ça. Pourquoi pas, vas-y. Passe-lui mon numéro. D'accord. Du coup, tu es célibataire? Oui, depuis 6 mois. Une si belle femme? Qui a osé? Il était focalisé sur sa vie professionnelle. Il était très sérieux, on ne s'amusait jamais. Il n'y avait pas de projet d'avenir pour nous deux. Entre-temps, je suis devenue chrétienne, et on n'avait plus les mêmes attentes. Excellente nouvelle, devenir chrétienne c'est l'une des meilleures décisions de toute ta vie. Je suis contente pour toi. J'ai fait le pas aussi. Point commun, c'est top. Ce fut vraiment un plaisir Ginette. Partagé. Bah je te laisse, je vois les regards autour de toi, je veux pas te faire de l'ombre. J'ai déjà eu deux premiers potentiels chéris qui se sont positionnés ce soir, ça me va déjà. Alors bro? Je vous voyais sourire. Elle m'a kiffé? Oui oui oui. Elle a donné son numéro. Tu peux l'appeler. Génial mon frère, tu gères trop bien. Bon, va donner le cadeau d'anniversaire à ton ami. Yes. Alors monsieur le futur marié, ton projet avance? Tu te rappelles que j'avais tout arrêté? Oui, tu étais découragé. Finalement, sans chercher, je suis tombé sur la perle rare. Une femme aussi belle, que gentille et intelligente. Encore? Tu es sûr que c'est bon cette fois? C'est quoi la différence? Ce que j'ai ressenti, le coup de foudre, je l'ai ressenti la première fois de ma vie. C'est mignon. Et vous parlez ensemble? Oui, on doit se voir demain. J'ai prévu la totale pour elle. Après-midi de rêve à Annecy pour une randonnée. Elle adore le sport. Comme moi. Je suis ravie pour toi, mon frère. Je me prépare déjà pour ton mariage. Yes. Elle a l'air de bien m'aimer. Tu es quelqu'un de bien, c'est normal. Et toi, le divorce? Mon mari ne fait que mentir, il affirme qu'il ne m'a jamais tapé, et moi j'essaie de réunir les preuves de toutes mes analyses médicales. Il me fait tellement de mal, je me demande si un jour je rencontrerai un homme bon. J'ai accusé trop de coups difficiles dans mes relations. Je comprends, courage. Je suis de tout cœur avec toi. Tu es une femme formidable qui a tout pour elle, et un homme bon quelque part te verra, j'en suis convaincu. Merci. C'est beau ce paysage. Oui, franchement merci Stéphane. On m'avait jamais autant prise au sérieux à un rendez-vous. Tu le mérites. Et même plus encore. Alors dis-moi, depuis ce petit temps qu'on parle, j'ai eu du mal à te voir. Tu es une femme occupée on dirait. Oui tu as raison, je suis désolée. C'est vrai que je semblais ailleurs parfois, mais effectivement je bouge pas mal. Et vu qu'on s'entend bien, j'ai vraiment envie de sauter le pas avec toi.
juste déjà commencé à cheminer ensemble pour se connaître un peu mieux? On se connaît que depuis un mois, tu trouves pas que c'est trop tôt? Moi je suis déjà conquis. Le jour où tu m'as parlé de ton association avec les orphelins, de ta boîte de conseils et ton amour pour les enfants, j'étais déjà prêt à t'épouser. Ginette, tu es la femme la plus complète que j'ai rencontrée cette année, et Dieu sait que j'en ai rencontré. Qu'est-ce qui te retient? Je t'apprécie aussi Stéphane, tu es gentil, doux, et concret. Mais j'ai besoin de temps pour réfléchir, d'accord? D'accord. Je t'attendrai. Prends le temps qu'il te faut. Merci. On y va? Je t'avais dit que j'avais un rendez-vous avec une vieille connaissance ce soir. Oui, bien sûr, je te dépose chez toi. Mon frère, ça fait un moment que je te vois plus, comment vas-tu? Depuis un mois on s'appelle plus beaucoup. Bien Stéphane. Tu as raison, ce nouveau boulot me prend beaucoup de temps. Comment tu vas? Je comprends mon frère. Tu as tout donné pour avoir ce boulot, donne tout. Moi ça va pas trop fort. Je suis fou amoureux de Ginette, mais elle semble ne pas vouloir sauter le pas pour le moment. Ah bon? Quand en avez-vous parlé? Il y a une heure à peine. Puis elle avait l'air pressée de me quitter pour voir quelqu'un d'autre. Ah! Tu sais, les femmes sont bizarres, elles aiment parfois se faire désirer. Attends-la un peu si elle fait sa star à moi, laisse tomber, tu mérites mieux mon frère. Et un énième chagrin? Non, je l'aime trop, je veux me battre. Je comprends et je te soutiens. Je dois y aller également, j'ai une urgence. Bonne soirée mon frère. Merci Alex pour tes conseils comme d'habitude, tu es un frère exceptionnel. Bonne soirée. Merci, toi aussi. Elle en a mis du temps cette fille, depuis 19 minutes que j'attends. J'espère que ces articles en valent vraiment la peine et qu'elle me fera pas payer la livraison. Oh, il me semble que c'est le pote Eric en face. Et il est très bien accompagné. Je le lui dirai demain au bureau. Alors mon cher Steph, se rencard hier. Bof. On a passé un bon moment, mais elle veut rien commencer avec moi pour l'instant. Ah mince. Mais c'est juste pour l'instant, ça veut pas dire que c'est la fin. Ressaisis-toi. Regarde, ton pote Alex a trouvé l'amour, pourquoi pas toi? Alex? Où? Quoi? Avec qui? Ah, tu savais pas? Je l'ai vu hier devant le centre commercial, j'attendais une amie, il était très proche avec une belle femme. Elle était comment? Coupe carrée avec une frange et yeux de biche. Qu'y a-t-il? C'est Ginette. Non. Tu penses à quoi? À les piéger pour voir ce qu'ils font ensemble. C'est peut-être pas ce qu'on croit. C'est vrai. Demain je devais voir Ginette à 17h, elle m'a demandé de repousser à 20h, parce qu'elle de la visite avant. Je vais me cacher devant chez elle à 17h. J'espère vraiment que ce n'est pas ce qu'on pense. Moi aussi. On va voir qui la pousse à annuler constamment nos rendez-vous. Merci pour cette visite. Et toi pour ce plat. J'adore passer du temps avec toi. En fait, je ne peux plus me passer de toi. Et Stéphane dans l'histoire? Je vais lui dire définitivement qu'on pourra pas être ensemble, mais on garde le secret pour le moment. Je suis d'accord. J'y vais ma chérie. Je t'aime. Moi aussi. Bravo. On peut applaudir le trait de l'année. Comment as-tu pu faire ça? Tu n'es pas le seul à aimer les bonnes choses, et c'est pas de ma faute si nous sommes tombés amoureux. Ne me touche plus jamais. Tu me dégoûtes. Je m'en fiche, tu es juste un mauvais perdant qui ne veut pas se rendre compte qu'il a perdu. Tu n'es personne, tu continues de manger mes restes. Plus jamais tu m'adresses la parole. Pareil. Je pars sans me retourner. Okay. 5 mois plus tard. Bonjour docteur, du mieux aujourd'hui? Toujours pas, il est encore dans le coma. Cet AVC a été terrible pour lui.
et même s'il se réveille, il risque d'avoir des séquelles. Comme quoi, docteur ? Paralysie d'une zone du corps, perte de langage par exemple. Oh mon Dieu ! Je peux passer le voir ? Oui, comme d'habitude. Courage, madame. Dieu voit votre cœur. Il le guérira. Vous êtes sa seule famille ? Oui, il est enfant unique et a perdu ses parents très tôt. Il a été élevé par une tante, mais qui n'a pas été très gentille, il s'en est éloigné. Je vois. Courage encore et continuez de prier pour votre conjoint. C'est un très bon ami. Amen, Dieu fera. Tu es belle ma reine, de jour en jour. Merci mon bébé. Mes frères et sœurs, bienvenue encore à ce temps de culte dans notre église. Nous célébrons une bonne nouvelle aujourd'hui. Les fiançailles de notre frère Alexandre et sa belle Ginette. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Once you practice, please protect your heart.